Imitez les gestes de Posy. 3, 2, 1, c'est parti. Levez alternativement les genoux pour toucher le Rincon. Gardez le dos bien droit. Une dernière fois. Bien. L'exercice suivant consiste à monter les talons. Levez-les alternativement pour toucher le Rincon. Orientez bien l'intérieur de vos chevilles vers le haut. Une dernière fois. Bien. Passons aux étirements du dos. Mettez une jambe en avant et abaissez le bassin. Inspirez en avançant la jambe, expirez en la ramenant. Vous devriez sentir les muscles du dos qui s'étirent. Une dernière fois de chaque côté. Bien. Écartez les pieds et passons aux étirements latéraux. Levez le Rincon et penchez-vous sur le côté. Gardez la tête bien droite. Évitez les mouvements brusques pendant cet étirement. Une dernière fois de chaque côté. Beau travail! Abaissez-moi devant votre abdomen tout en me maintenant pressé. Très bien. Combo bras-genoux. Bougez avec beaucoup d'énergie. Un et deux.
bras vers le haut. Un et deux. Un et deux. Un et deux. Un. Un et deux. Un. Vous êtes à la moitié. Encore 20. Un et deux. Un et deux. Un. Un et deux. Un et deux. Un et deux. Un. Un et deux. Un et deux. Un et deux. Un. Un et deux. Encore 10. Un et deux. Un. Un et deux. Un et deux. Un. Encore 5. Un et deux. Un et deux. Un. Un et deux. Excellent. Choisissez une technique. Combo genou squat. Avec beaucoup d'énergie. À gauche, à droite, abaissez, levez. À gauche, à droite, abaissez, levez. À gauche, à droite, abaissez, levez. À gauche, encore 30, abaissez, levez. Faites des gestes amples pour un effet maximal. À gauche, à droite, abaissez, levez. À gauche, vous êtes à la moitié. Encore 20. À gauche, à droite, abaissez, levez. À gauche, à droite, abaissez. Levez, à gauche, à droite, abaissez, levez, encore 10, à droite, abaissez, levez, à gauche. Bougez avec beaucoup d'énergie. À gauche, à droite, abaissez, levez, à gauche. C'était de beaux mouvements. On y va. Pliez les jambes en expirant. C'est bien. Formidable. Bien. Super! Excellent! Super! Fantastique!
Joli. Continuez comme ça. Beau travail. Bravo. Latérale triomphale. On y va. Faites-moi travailler ces muscles. Bon travail. Super. Oui, c'est ça. Continuez comme ça. Bien joué. C'est bien. Super. Super! Bien! Joli! Excellent! Formidable! Bravo! Super! Magnifique! Très bien! Joli! Génial! Très bien! Excellent! Fantastique! Bravo! Fantastique! Parfait! Beau travail! Bon travail! Fantastique! Super! Fantastique! Passons à la vitesse supérieure! Travail. Bien.
joli. Oui, c'est ça. Encore trois. Fantastique. Bien joué. Une dernière fois. Ok. Impeccable. Bouclier d'abdos. Expirez tout en contractant vos abdominaux. Posture du bateau. Penchez lentement. Revenez lentement à la position de départ. Écartez les pieds de la largeur de vos hanches. Convertissez votre entraînement en point d'expérience en prenant la pose de la victoire. Abaissez votre bassin pour charger votre puissance du pied et tirez votre victoire. Thank you.
attaquer. Posture du guerrier 2. Tournez lentement. Revenez lentement à la position du départ. Gardez les bras parallèles au sol. Même chose de l'autre côté. N'oubliez pas de changer de jambe. Tournez lentement. Revenez lentement à la position de départ. Détendez-vous et ne forcez pas sur vos épaules. Écrasement rapide. Faites des gestes amples pour un effet maximal. Avec les jambes légèrement pliées. Bien, choisissez une technique. Posture du gond. Penchez lentement vers la gauche. Revenez lentement à la position de départ. Ne pliez pas le poignet de la main tenant le ring-con. Même chose de l'autre côté. Penchez lentement vers la droite. Revenez lentement à la position de départ. Le mouvement des bras doit partir des omoplates. Bien joué! C'était de beaux mouvements!
nous, plus on avance vite. Mais ne dépassez pas les orteils. Choisissez une technique pour attaquer. Pente avec torsion. Tournez lentement vers la gauche. Vous sentez les zones ciblées qui travaillent ? Même chose de l'autre côté. N'oubliez pas de changer de jambe. Tournez lentement vers la droite. Travaillez le bas du corps, l'abdomen et le dos. Revenez lentement à la position du départ. Parfait, ça va vous permettre de continuer. Posture du guerrier 1. Penchez lentement vers la gauche. Revenez lentement à la position du départ. Ne forcez pas en levant les épaules. Même chose de l'autre côté. N'oubliez pas de changer de jambe. Penchez lentement vers la droite. Revenez lentement à la position du départ. Ouvrez la poitrine quand vous levez les bras. Beau travail! Légèrement les coudes et maintenez-moi étiré. C'est bien.
Choisissez une technique. Tire à l'arc. C'est parti. Tenez le ring-pong comme un arc. Superbe. Joli. Beau travail. Parfait. Bien. Oui, c'est ça. Bravo. Continuez comme ça. Super! Bien joué! Génial! Très bien! Bravo! Magnifique! Super! Bon travail! Formidable! Magnifique! Excellent! Un peu plus vite! Joli! Fantastique! Oui, c'est ça! Encore trois! Joli! Super! Même chose de l'autre côté. On y va! Étirez le ring-pong en inspirant. C'est bien! Très bien! Super! Beau travail! On accélère. Bien joué. Superbe. Bravo. Magnifique. Beau travail. Une dernière fois. Impeccable. Expirez tout en contractant vos abdominaux. Posture de l'arbre. Penchez lentement vers la gauche. Cela peut améliorer le sens de l'équilibre. Revenez lentement à la position de départ. Même chose de l'autre côté. N'oubliez pas de changer de jambe. Penchez lentement vers la droite. Essayez de pointer le genou levé sur le côté. Revenez lentement à la position de départ. Bien joué! Parfait! Ça va vous permettre de continuer. Posture du guerrier 3. Thank you.
pencher lentement. Bien, encore un peu plus bas. Une ligne droite doit relier votre talon à votre tête. Même chose de l'autre côté. N'oubliez pas de changer de jambe. Penchez lentement. Revenez lentement à la position de départ. Évitez de pencher à gauche ou à droite. Revenez lentement à la position de départ. Vous brillez de sueur. C'était superbe. Abaissez votre bassin. Étirez-vous. Posez votre pouce droit sur la caméra infrarouge comme indiqué. Mesure en cours. Ne retirez pas votre pouce. Bien, commençons. Vous n'aurez pas besoin du Rincon. Pensez à votre corps et ne vous étirez pas au-delà de vos limites.
avancez la jambe droite et posez les mains sur les hanches. Pliez le genou droit pour étirer le mollet de la jambe gauche. Changez de jambe. Déplacez votre poids vers l'avant et étirez l'autre côté. Revenez lentement. Pliez le genou gauche et tenez votre cheville derrière vous. Tirez le genou vers l'arrière pour étirer l'avant de la cuisse. Même chose de l'autre côté. Vous pouvez utiliser un mur ou une chaise pour garder l'équilibre. Revenez lentement. Écartez les jambes, posez les mains sur les genoux et abaissez le bassin. Faites pivoter l'épaule gauche vers l'intérieur pour étirer la hanche. Tournez-vous à nouveau vers l'avant. À présent, étirez votre hanche droite. Veillez à ne pas tourner vos jambes vers l'intérieur. Revenez lentement. Joignez les mains devant vous. Tournez vos paumes vers l'avant et étirez votre dos. Revenez lentement. Levez les bras et attrapez votre coude gauche. Étirez le haut du bras en tirant le coude vers le bas. Même chose de l'autre côté. Tirez lentement sans bloquer votre respiration. Revenez lentement. La séance d'étirement est terminée.